Il prend soin de lui, quand J. Girac, des nouvelles rassurantes de Florent Pagny, ZAPTV. L'histoire d'une ascension fulgurante. Grand vainqueur de The Voice en 2014, quand J. Girac a atteint une telle notoriété que les plus grands artistes se bousculent pour figurer sur ses albums. Dans l'école de la vie, tout fraîchement sorti, ce sont Vianney, Soprano et Florent Pagny qui ont accordé leur voix avec celle de l'interprète de Color Gitano. Pour ce dernier, qui a entamé un protocole de chimiothérapie après avoir révélé souffrir d'un cancer du poumon. C'est un retour musical au premier plan. Le coach emblématique de The Voice est l'ancien lauréat du télé-crochet chante en duo sur Encore. Une ballade mélancolique lors duquel le timbre chaud de l'invité de Marc demeure intact. Il est guéri de son cancer et en forme, expliquait le jeune chanteur dans les pages de Télé 7 jours. Il m'a avoué qu'il n'avait pas chanté depuis son pépin de santé, avait-il ajouté. Ravi du beau cadeau qu'il lui avait fait son aîné. Présent sur le plateau de Télématin, ce 14 novembre, quand J. Girac a confirmé que son ami était sur la bonne voie. Celle de la rémission. La dernière fois qu'il m'a appelé, il allait très bien. Il était content, il était en Argentine. Il se repose un peu, je pense, il prend soin de lui. A confié le papa de la petite Eva Alba. Un simple extrait de leur duo lui a mis des étoiles dans les yeux. J'attends qu'il revienne pour qu'on puisse défendre ce titre, a-t-il confié. Ému. Et a ajouté, même pour lui, qu'il revienne avec une force, l'envie de chanter parce que quand on a fait la chanson en studio, c'était l'une des premières fois qu'il rechantait depuis ce qui lui est arrivé. Il a hâte, la voix est toujours là, on a hâte aussi.